L'éducation au développement durable fait partie depuis 2017 de la politique du ministère de l'Éducation sur la réussite éducative. Tout comme l'éducation à l'environnement, ces deux courants cheminent et on s'inscrit en éducation au développement durable ou en éducation à l'environnement et au développement durable. À l'université Laval, dans le contexte des travaux de la chaire de leadership en enseignement des sciences et développement durable, on va pri privilégier euh, une éducation à l'environnement et au développement durable qui est fondée sur la pédagogie critique et je vais développer quelques principes, <coughs> quelques fondements sur lesquels se base cette pédagogie critique. Alors bien sûr, si on parle de pédagogie critique, il faut poser un diagnostic et il faut s'intéresser, s'interroger sur ce que l'on souhaite changer dans cette société pour aller vers un monde plus juste, plus équitable, pour faire en sorte qu'il y ait davantage de respect de la nature, qu'il y ait davantage de respect entre les êtres humains. Et un autre élément important de cette pédagogie critique que je vais développer, c'est toute cette question d'aller euh, engager les jeunes, de les mobiliser, de trouver des façons de redonner du sens à l'école pour faire en sorte que la curiosité des élèves, leur euh, volonté de changer les choses puissent être soutenues de manière intéressante. Alors, les auteurs dont on s'inspire dans le contexte des travaux que l'on fait, ce sont évidemment Paolo Freire, un auteur de référence, peut-être l'auteur de référence en pédagogie critique, euh, avec sa pédagogie pour la liberté, sa pédagogie pour l'autonomie, euh, sa pédagogie des opprimés, qui sont trois grands axes à partir desquels on peut travailler quand on veut faire de l'éducation au développement durable. C'est aussi un auteur comme Henri Giroux. Henri Giroux qui lui-même s'est inspiré des travaux de Paolo Freire, mais les a contextualisés, les a actualisés dans le contexte de l'Amérique du Nord. Et puis, indépendamment de cette préoccupation pour une pédagogie critique, on travaille bien sûr avec euh, toute la référence l'œuvre de Jean Piaget, euh, qui pourrait paraître assez éloigné des deux premiers auteurs qu'on a cités, mais en fait, en y travaillant de plus près, on se rend compte qu'il y a bien des points de convergence qu'on peut faire entre ces différents penseurs de l'éducation. Il y a d'autres auteurs aussi à partir desquels on travaille, dont je vais peut-être dire un mot. Alors si on veut viser davantage de liberté et d'autonomie des élèves, c'est parce qu'on sait que cette liberté, cette autonomie peuvent favoriser à la fois le sens des responsabilités, mais aussi le développement de la créativité, qui sont deux éléments importants en éducation au développement durable. La pédagogie critique permet aussi de considérer l'école comme un lieu où l'on reproduit des normes, où l'on reproduit des valeurs, mais aussi de manière dialectique comme un lieu où on peut prendre du recul par rapport à certaines pratiques dominantes où l'on peut les critiquer, où on peut être réflexif. Donc c'est d'un travail d'explicitation des valeurs, des habitudes, des pratiques en société. Euh, dont on a besoin en éducation, au développement durable, quand on veut être critique, tout en donnant aux élèves des exemples de réussite. On est dans une pédagogie de la solution, on n'est plus dans une pédagogie de résolution de problèmes comme on pouvait l'entendre euh, il y a 10-20 ans. Euh, L'idée, c'est de faire en sorte que même à l'école, on travaille un engagement citoyen des jeunes, que même à l'école, on travaille vers la formation de citoyens qui seront ensuite prêts, formés à s'engager en démocratie dans des débats qui analysent des questions complexes, des questions de science en société. Si on pose un diagnostic sur le contexte socioculturel actuel pour être critique, et constructif eh bien ça nous amène à constater que en amérique du nord que dans le monde occidental on a tendance à voir la nature souvent comme une ressource à exploiter on a tendance à lui donner une valeur matérielle on a tendance à euh, monétariser cette nature donc là encore une éducation au développement durable critique devrait proposer aux jeunes aux enfants un autre regard sur cette nature, une autre expérience de la nature, qu'elle soit sensible, qu'elle soit expérientielle, qu'elle soit poétique, qu'elle soit artistique ou simplement plus intuitive, de façon à sortir un peu de ce qui est dominant dans la manière dont ensuite on va évaluer, calculer la valeur de cette nature. Un autre élément qui pose problème dans notre contexte, c'est de s'en remettre beaucoup aux sciences et technologies. À certaines sciences et technologies plus que d'autres, on peut euh, on a des exemples de cela lorsqu'il est question de la façon dont on, on analyse, dont on étudie, dont on modélise les changements climatiques, ce sont certaines disciplines scientifiques qui sont au premier plan et pas d'autres domaines de recherche ou de connaissances qui pourraient être des domaines davantage rattachés aux sciences humaines. Et on part souvent de la croyance que euh, plus de sciences et de technologies vont permettre de régler ces questions complexes, qui sont pourtant des questions davantage éthiques, des questions politiques, des questions culturelles, des questions sociales, avant que d'être des questions d'abord scientifiques dans notre contexte on a tendance aussi à valoriser beaucoup donc ces questions euh, pas ces questions mais ces savoirs scientifiques et à valoriser beaucoup aussi les experts qui portent ces savoirs. Euh, pourtant il serait important de faire en sorte que euh, lorsque l'on veut poser les questions environnementales lorsqu'on veut les problématiser lorsqu'on veut soulever et définir des enjeux euh, du développement durable et de l'éducation au développement durable, euh, l'important, c'est d'aller vers des dialogues, d'aller vers la mise en relation, la mise en correspondance de savoirs tout à fait différents, qu'il s'agisse des savoirs d'expérience, qu'il s'agisse des savoirs traditionnels, qu'il s'agisse des savoirs euh, euh, issus de cultures autres euh, qui ne sont pas forcément reliés à un certain type de rationalité qui domine. Donc, cette éducation aux sciences doit être renouvelée dans le sens de ce qu'on vient de dire, en faisant plus de place à des pédagogies de l'interdisciplinarité. Et c'est ce qu'on fait dans le contexte des travaux de la chaire, notamment en suivant la démarche d'îlot de rationalité. On a présenté de nombreux exemples d'activités éducatives qui s'inspirent de cette démarche-là sur le site PIST de la Faculté des sciences de l'éducation. Et tout ça en correspondance avec une lecture de notre société comme une société du risque, avec une lecture critique du développement du monde occidental à la suite d'auteurs comme Serge Latouche. Enfin, un mot sur le sens de cette éducation au développement durable pour les élèves. On a parlé beaucoup des savoirs. On parle d'une pédagogie de l'autonomie, de la liberté, de la responsabilisation. Alors si véritablement on veut ancrer cette éducation au développement durable à l'école en faisant en sorte que les élèves y trouvent un sens réel dans leur vie et que cette, cette éducation, que cette didactique de l'éducation au développement durable ne demeure pas seulement à l'école, mais qu'elle prenne sens aussi pour l'ensemble de la vie des élèves qui sont là eh bien il convient de s'intéresser de, de manière beaucoup plus soutenue de manière beaucoup plus fréquente à qui sont les jeunes auxquels on s'adresse et d'en tenir compte sérieusement en fonction de ce que l'on peut savoir de leur vie à l'école en dehors de l'école en fonction de ce qu'on peut savoir de leurs pratiques citoyenne, de leurs pratiques démocratiques est-ce qu'ils participent au conseil de classe Est-ce qu'ils participent à des débats publics Est-ce qu'ils sont, euh, est ce qu'ils font partie de groupes de jeunes qui se mobilisent grâce euh, aux réseaux sociaux Enfin, de façon à savoir un peu plus qui sont nos élèves et à ne pas se contenter de leur proposer des choses avant même de savoir quelles sont les questions réelles qu'ils se posent sur ces enjeux de développement durable, sur ces enjeux de protection de l'environnement. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un certain fatalisme chez les jeunes, il y a un certain désengagement, on les a nourris de catastrophisme, on les a nourris de visions euh, noires euh, de fin du monde, presque lorsqu'il est question de, de climat, de changement climatique ou autre. Les médias ont une part de responsabilité importante par rapport à ça. Mais donc, le rôle de l'école, ça va être de leur réapprendre qu'ils ont le pouvoir de changer les choses leur réapprendre qu'ils ont la capacité de changer les choses leur proposer des projets leur présenter des projets euh, leur présenter des acteurs, des personnes qui peuvent servir de modèles. Et à nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, miser davantage sur des histoires de succès que des histoires euh, noires de pollution, etc., etc. Même si on ne doit pas nier le fait que le contexte aujourd'hui n'est pas très encourageant à bien des égards, quand il s'agit de protection de la nature ou quand il s'agit de justice sociale ou de protection euh, des plus démunis même si l'éducation au développement durable se doit de mettre l'accent en priorité sur l'amélioration de la situation des plus démunis. Pour conclure mon propos, simplement, j'aimerais souligner que euh, oui, l'éducation au développement durable doit miser sur la pédagogie critique, mais elle doit miser aussi sur les apports, puis certains apports déjà euh, connus depuis bien longtemps en éducation à l'environnement, sur tout ce qui est lien affectif, euh, meilleure connaissance de la nature. Je l'ai déjà dit, mais j'aimerais revenir un peu simplement en conclusion sur ces éléments-là puisque cette fréquentation de la nature, cet attachement à la nature va faire en sorte que peu à peu, euh, les citoyens vont renouer avec cette nature et avec tous les bienfaits qu'elle peut euh, leur apporter.